Bonjour, les jeunes IHEDN, c'est une association qui réunit des jeunes de moins de 35 ans autour des questions de défense, sécurité et d'engagement. Nous sommes rattachés à l'association mère, l'Institut des hautes études de défense nationale, et nous travaillons à rendre plus accessibles ces problématiques, organiser des conférences, des ateliers, des visites et des événements à plus grosse ampleur comme celui que nous allons voir ce soir, la nuit de la gestion de crise, qui est organisée par l'un des 14 comités thématiques de l'association et qui s'appelle le comité risque intelligence économique. Alors les jeunes de l'IHEDN, on a été créés en 1996 et notre objectif en fait c'est de faire rayonner l'esprit de défense. On va être de plus en plus confrontés à des crises. Donc je pense que c'est particulièrement important de former la jeunesse au traitement de ces questions-là. Et en fait, cette soirée-là, elle s'inscrit directement dans cette ligne. Et c'est par ce biais-là, finalement, par la rencontre des acteurs de terrain, qu'on arrive à forger sa propre opinion de comment on peut gérer une crise et aussi à en retirer de l'expérience. L'idée, c'est de réunir des professionnels, des étudiants, des gens du monde associatif, des militaires, des civils, du public et du privé, pour ensemble échanger et dialoguer sur ces problématiques de crise, que ce soit les crises à niveau national que l'on peut vivre, comme Irma, un attentat ou même les Gilets jaunes plus récemment, mais également les crises que l'on connaît dans le monde de l'entreprise, crise de communication avec les réseaux sociaux, l'importance du big data aujourd'hui. Donc voilà, l'idée de notre événement, c'est de pouvoir aborder un petit peu toutes ces problématiques sous des angles variés, avec des formats retour d'expérience, conférences, exercices, formations, serious game, pour que tout le monde y trouve son compte et que de manière informelle, on puisse échanger et apprendre autour d'une soirée de crise.